Écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie. Moi, je ne suis rien. Toi, tu m'as donné la vie. Moi, je suis ton enfant. Ô Seigneur, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour, moi j'étais perdu. Toi, tu es toute tendresse, moi, je cherche ta main. Ô Seigneur, je viens vers toi, tu te cherches, mon Dieu. Ô Seigneur, écoute-moi, je t'espère, mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie de célébrer Notre-Dame de Fatima dans ce lieu où vous êtes venus nombreux. Nous sommes le pèlerinage du diocèse d'Angoulême, perdu dans la foule. Soyez bienvenus, vous tous qui venez d'ailleurs ou de langue française. Tout à l'heure, avant cette messe, je parlais avec mes confrères. Ils sont tous de ma famille, puisqu'on connaît tous quelqu'un qui se connaît, et nous sommes d'une grande famille, de la famille de Dieu. Au début de cette Eucharistie, nous nous tournons vers le Seigneur, et le chant qui vient de que nous venons d'interpréter, nous dit « Je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu ». Nous tous, pèlerins, nous sommes tous en état de recherche de Dieu. Et nous sommes un peu comme ces petits-enfants de Fatima, qui, ils étaient rien devant le monde, mais ils étaient grands devant Dieu. Ils cherchaient l'amour de Dieu, ils l'ont trouvé à travers la Vierge Marie. Que cette Eucharistie nous aide à nous plonger dans notre foi de baptisés, notre foi d'enfant de Dieu est aimée. C'est pourquoi au début de cette Eucharistie, nous nous tournons vers celui qui est source de paix et d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que les fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession
nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ, et que nous obtenions les béatitudes éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Réjouis-toi, Marie, réjouis-toi, Mère de Dieu. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenue pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Thank you.
Alléluia, 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 Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie de Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Il y a juste un petit peu plus de 100 ans, ce lieu était un coin désert où des bergers venaient conduire leurs moutons. C'était une terre pauvre où des agriculteurs vivaient avec juste ce qu'il fallait. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes des milliers et des milliers de personnes à venir honorer la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Pourquoi nous sommes venus ici? Qu'est-ce qui fait que nous sommes là ce matin et que nous serons encore plus nombreux demain matin? Qu'est-ce que nous cherchons? Depuis le début de notre pèlerinage, je pose à mes pèlerins, « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et une des voyantes disait toujours à Marie, elle lui posait des questions, « Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Et qu'attends-tu de nous ?» Je pense que c'est une question que l'Église nous pose sans cesse. Et parfois, il suffit de lire et méditer la parole de Dieu pour qu'elle nous ouvre un chemin de vie humaine. Le contexte des voyants de Fatima était un contexte de guerre. C'était pendant les guerres 14-18. Nous vivons aussi dans un contexte difficile, d'un monde qui gémit, qui pleure, d'un monde de violence, d'un monde où des gens sont persécutés ou tués sans ménagement. Et voilà que nous sommes dans ce lieu qui nous dit « Ayez l'espérance, ayez confiance ». La première lecture nous dit dans l'Apocalypse « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. » Je suis toujours touché et frappé que c'est au cœur de choses difficiles, peut-être dans un échec de vie, dans une souffrance d'un être cher qui disparaît, dans une expérience de vie où tout semble s'écrouler, c'est souvent dans ce moment-là que le Christ vient à notre rencontre ou que sa mère nous ouvre les bras vers son Fils. L'évangile de ce matin que nous venons de lire nous dit un peu les mêmes choses. Jésus sur la croix, il va mourir. Nous, à nos yeux, tout s'écroule, tout est fini. Et voilà qu'il confie saint Jean à sa mère. Et sa mère, il la confie à Jean. Il donne un esprit de vie et d'espérance. Le Christ ne nous laisse pas tomber. Et Marie est celle qui nous ouvre les bras pour nous conduire vers son Fils. Ce matin, nous sommes certainement de différents pays, de différentes nations. Autour de moi, j'ai des frères prêtres qui sont du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun et du New Jersey, de la France. Nous célébrons le même Dieu. Dieu nous réunit autour de son amour et il nous ouvre ses bras pour dire « Tu es aimé de Dieu. Quoi que tu vives et quoi que tu fasses, si tu es dans la désespérance, regarde, lève les yeux vers la lumière.
cette lumière de Fatima près de ce chêne où ont eu lieu les apparitions. Que cette Eucharistie de ce matin nourrisse notre confiance et notre foi. L'Eucharistie nous ramène toujours à l'essentiel de ce Seigneur livré pour nous, donné par amour pour nous. Rappelons-nous notre baptême, rappelons cet amour de Dieu que nous célébrons dans chaque Eucharistie. Frères et sœurs, je vous invite à poursuivre ce temps de la rencontre, ce temps du pain partagé, du pain de vie donné. Nous venons puiser la nourriture dans cette parole de Dieu, dans ce Dieu livré, donné pour nous. Que Notre-Dame de Fatima soit le trait d'union, le passage, la porte ouverte vers l'amour de Dieu. Petit groupe de pèlerins du diocèse d'Angoulême qui chemine depuis plusieurs jours va donner des intentions de prière. Il y a celles qu'ils vont donner, mais il y a celles aussi que chacun de nous porte dans son cœur. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions frères à Dieu notre Père qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Pour que tous les peuples se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoute, aime et proclame la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Je vais en lire une entre les deux. Je vous confie quelques intentions qui me sont demandées pour un malade, qu'il puisse trouver la santé de son corps ainsi que celle de son âme, pour les vivants et les défunts des familles Aubré-Arnoux, pour Jean-Baptiste Pelot, pour la famille l'abbé Charrier-Durand et toutes nos intentions que nous, pèlerins, nous portons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, pour tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les supplications de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute nos prières et augmente notre foi par Jésus ton Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la Bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, équitable et salutaire de te rendre toujours et partout grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la Bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendré à la vie surnaturelle et par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières de ses disciples et elle s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux et enveloppée de son amour maternel, l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de la nouvelle alliance éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Sauve, Seigneur, ton Église, les peines à travers tout le monde, et fais-le grandir dans ta charité avec le pape Francis, notre évêque et tous ceux qui ont à charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, dans une même confiance, nous pouvons dire la prière reçue du Christ Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
péchés du monde, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang.
à la page 85 pour les pleurs en Angoulême. Ensemble, rendons grâce. Par cette Eucharistie, nous sommes le corps du Christ, nous devenons le corps du Christ chaque jour. Que cette participation à la table du royaume nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, pour que la communauté chrétienne trouve toute sa cohésion dans le corps et le sang de ton Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs pèlerins de langue française, on va vous donner la bénédiction, que le Seigneur vous donne la grâce de vivre ce pèlerinage avec le chemin de Notre-Dame de Fatima, que nous soyons et devenions ce corps du Christ qui nous unit, qui nous a rassemblés ce matin. Merci à mes frères prêtres d'avoir concélébré avec moi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous chantons le cantique à la Vierge Marie, à la page 112. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que le sang est, pour
la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte.